Alors, le lapin, déjà, il faut bien le choisir. Il faut mieux demander à son boucher ou avoir un lapin, ce qu'on peut appeler de terroir. Le nôtre, il vient généralement de ferme ariégeoise. Après, le lapin, bon, la découpe, c'est toujours la même. Ce qu'on désire aujourd'hui pour la recette, c'est le rabble, c'est cette partie. Alors, généralement, on enlève les abats d'abord, et après, on enlève les pattes et la tête. Il faut vraiment un quart d'heure, 20 minutes de préparation. Et une cuisson, il faut 20 minutes, une demi-heure par contre. Donc là, voilà, on est sur la fin de la découpe du lapin. Donc il nous reste notre rable. Donc c'est la partie la plus charnue du lapin. Et là, on va en fait le désosser entièrement pour avoir plus que la chair et pour pouvoir enfin la farcir. Après, il faut égaliser un peu la viande pour la cuisson. Donc là, on appuie bien, on coupe et on rallonge. En fait, on se simplifie nous la cuisson, puisque comme on va le rouler, que ça soit à peu près égal au niveau de la viande partout. Déjà plus facile au niveau du pour avoir un rouleau à peu près identique et après une cuisson beaucoup plus simple. Donc là il faut le saler et le poivrer un peu. Comme c'est ça, comme le lapin quand même est une viande assez fade, il faut la relever. Voilà, pour la farce, moi c'est une chose simple. On a tout simplement blanchi des épinards. Là c'est des jeunes pousses. Donc c'est l'avantage, on a des petites feuilles et on peut donc en mettre. Il faut en mettre tout le long. Faire un joli lit. Il faut pas hésiter parce que l'épinard va quand même encore réduire après, donc il faut mettre une bonne couche. Et après donc c'est du riz de veau. Alors, le riz de veau, il faut bien le dénerver. C'est pour ça qu'en fait vous récupérez des bouts. Ou pour simplifier, vous pouvez le blanchir, comme ça quand vous le sortez, le blanchir, c'est-à-dire le mettre dans une eau, le laisser 2-3 minutes, le gras sort, vous n'avez qu'à enlever le gras en fait. Mais moi je le laisse entier et je le dénerve bon, au couteau, ça se fait facilement. Donc il faut aussi assaisonner la viande à nouveau. Et maintenant on va faire le rouleau. Donc avec de la ficelle ou des brochettes, le mieux c'est quand même la ficelle. L'objectif c'est de bien serrer la viande, que tous les condiments cuisent ensemble et qu'à la coupe on puisse bien retrouver justement la spécificité qu'on cherche, le lapin, le vert de l'épinard et le rond du riz de veau. Une huile chaude, pour bien saisir. Là, on va la saisir. L'objectif en fait c'est de pouvoir obtenir après la viande un croustillant et après que l'extérieur soit croustillant et l'intérieur fondant. Donc, il faut préchauffer son four à 180 degrés et après il faut l'enfourner et le laisser à peu près. Il faut le laisser à peu près un quart d'heure, 20 minutes. En attendant que le lapin cuise, donc on va commencer la sauce. Donc on va bien dégraisser.
Après, on remet à chauffer. Feu moyen. L'objectif, c'est de faire pincer les sucres. Ça veut dire que la chair du lapin qui est collée sur la poêle, qu'elle roussisse un peu. Quand la chaleur commence à être bien chaude, qu'on le sente bien à la main, c'est-à-dire que les sucres commencent à bien pincer, on pourra déglacer avec le porto. Là, on déglace au porto, on laisse réduire avec une cuillère en bois. On peut décoller un peu les sucres, ce qui donnera plus de goût à la sauce. Et comme ça, notre réduction de porto est faite. On le voit, commence à bien épaissir. Minutes sont passées. Vous laissez les légumes se réchauffer doucement. Donc là, il faut les déficeler. Trouver ce qu'on voulait, notre rouleau. Alors pour dresser, vous mettez un petit rond au milieu, un deuxième. Les légumes, nous avons pris trois couleurs pour les égayer un peu et vous faites un soleil. Pommes de terre, carottes, navets et on recommence. Et pour terminer le décor, on met une herbe sur la viande et voilà, l'assiette est prête.